j'ai toujours le même sentiment après cette petite pastille. Parce qu'il faut la prendre en bouche et non pas ailleurs, mon cher Philippe. Oh, en tout cas, vous êtes un supposateur, c'est ça? Mesdames et messieurs, c'est le moment, c'est l'instant, préparez les épices. C'est l'heure du main event. Mais quel main event, Philippe? Eh oui, mais d'un autre côté, à force de se mêler de tout et de n'importe quoi, les officiels prennent des décisions. Là, on va pas s'en plaindre. Eh oui, faut dire que DOC, autrement dit, les Gallows, Anderson et AJ Styles, ils ont tendance un petit peu à mettre le bazar ces derniers temps. Alors il faut les calmer. Quelle belle équipe que cette équipe-là. Les champions par équipe de l'Euro, Cédric Alexander, puis les Viking Raiders. Ça va envoyer du lourd. Et voici les dissidents. Voici les troubles faits. Voici les adversaires et peut-être un futur champion par équipe de l'Euro. Ok. Le show danse et le jeu. Et dans un instant, son partenaire, Robert Roode, le Giro Boy. And take it home for glorious Robert Roode. Il a sorti la nouvelle tenue, hein, Robert. Et il est temps d'accueillir les anciens champions par équipe et le toujours champion des États-Unis. Mesdames et messieurs, Luke Gallows, Karl Anderson, AJ Styles, the OC! And the Monaco United States Champion, AJ Styles, the OC! Quelle soirée tout de même pour AJ Styles! En début de soirée, il se mange un Stone Cold Stunner, ensuite il est obligé d'affronter cet homme, Cédric Alexander, et là il est de retour pour le meilleur. Ah oui, c'est AJ Styles est le vrai héros de ce hashtag 4-3. C'est pas très réjouissant. Ah, c'est pas encore mieux. Voilà les grands héros. Quand il est tourné au ridicule, quand on se prend une rouste, quand on se fait malmener, c'est la soirée du siècle. Et moi, votre vie, c'est un véritable roman dans ce cas-là. C'est un best-seller. C'est un roman d'amitié entre Hollins et Bistroman qui tiendra pas longtemps, c'est sûr. Ziggler et Roode trop gagnants. Vous savez que je suis vraiment sympa parce qu'il y a peut-être des gens qui écrivent hein, pour ce que vous faites. Mais j'entends bien. Il y en a qui se plaignent. Mais j'espère bien. Il y en a qui quand même font pression auprès de la direction. Oh, mais j'espère bien, mon cher Philippe. Le standard explose. Mais qu'il explose, le standard. Quand on voit la tête de la standardiste. Et vous imaginez le boulot de ce pauvre arbitre. En plus, ils ont pris l'un des arbitres les plus petits. À la WWE actuellement, c'est pour souffler. On dirait que le mec, il s'est trompé de rentrer, le gars. Sa maman l'a envoyé au CP, il s'est retrouvé en balai de trois regardables. C'est pour se faufiler. Bon, son père a été certes bouché, mais en attendant, vu qu'il y a quand même 10 gars ce soir, ça laisse peu de place. Donc il faut quand même que l'arbitre puisse bouger un petit peu. C'est logique tout cela. Très bien pensé. J'imaginais s'il n'arrive pas à se faufiler, qu'il se retrouve entre côtes. Non, ouais. Bon, ça suffit. Allez, le contact dans le cycle. C'est Rollins. Le champion universel face à un ancien champion du monde. La roue en avant. Le saut de tête à la pouliche pour voir la roue sur l'adversaire au sol. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Vas-y, Robert. C'est très bien ce qu'il fait, Rollins. Allez, démarre. Il met en difficulté pour le passer de Ziggler. Il a mis à genoux. Ah, il l'a vexé, Ziggler. Ziggler est vexé perpétuellement, mon cher Pelé. Quand on a son talent, on peut être que vexé. Oh, sur ton dérange. Ces derniers temps, ces résultats ont été achetés, non? Torsion du bras, bien porté. Là, par contre, on n'a pas touché, Jordan. Allez, bien vu. Le changement. Allez, voici l'expérience viking. C'est Ryder le pion vert. Oh, Ryder avec Stoller. Enfourchement, et doucement, enfourchant aussi. Attention, double enfourchant. Le tomber. Ah, et ben, comme ça, on rentre à manquement maintenant. On va chercher Samir et Justin. C'est un collision. On montre le monde des espoirs. Ça ne se fait pas. Pétez-vous la gueule. Pas du tout. Ah bon? Faut arrêter avec ça. Oh, mais Ziggler, qu'est-ce qu'il fait? Ziggler, là. Attention! Oh, pour ça, il y a un peu mal! Oh, mon Dieu!
sur le ring du Madison Square Garden ce soir. Nous sommes à New York City, New York. Et nous sommes ensemble avec vous en direct pour ce hashtag Catchro. Réagissez sur les réseaux sociaux, c'est notre main event, pas moins de 10 superstars en même temps dans le ring. Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas pour faire ça. Et puis vous vous mettez où vous voulez, dans l'équipe que vous voulez. Pour l'instant, en tout cas, c'est Karl Anderson, la moitié des anciens champions par équipe, membre de The OC. Accompagné habituellement de Luke Gallows, son Good Brothers, comme ils aiment à s'appeler, qui est en train de faire un petit collier arrière au champion universel, Seth Rollins. Dans quelques jours, on vous le rappelle, ça sera Rollins contre Strowman. Mais il y aura également Strowman et Rollins contre Ziggler et Robert Hood. On vous donnera tous les résultats la semaine prochaine, mais avant ça, on vivra un SmackDown exceptionnel ensemble. Le retour de l'Undertaker à SmackDown, mais pour l'instant, Spider-Man dans le tombé. Et bien vu! Ah, on peut en effet rager Karl Anderson. Ça aurait été un exploit que de faire la différence sur l'actuel champion universel et moitié des champions par équipe. Actuellement, c'est le seul à détenir deux ceintures. C'est énorme! Oui, ça ne sera plus le cas ce week-end. Un jour, on ils perdront bien les titres par équipe. Vous êtes un rabat-joie. Karl Anderson qui est en train d'essayer d'arracher les yeux de Seth Rollins afin qu'il ne puisse plus voir Becky Lynch. Terminé les bisous. T'es où chérie? Je vois plus. On m'a arraché les yeux. Eh ben tant pis. C'est bien, vous faites vos histoires vous-même. Oui. Bah oui, mais si j'attends que quelqu'un me les raconte. C'est juste en avant les histoires. Attention. Robert Hood est en arrière. Oh, Braibert, qui s'est pris un coup de pied directement dans la balle. Oh, magnifique. Il lui a carrément caressé le cou. Le tombé. Sur le sol. Bon, son mal est impatient, il veut rentrer. Allez, peut-être le retour de l'équipe gagnante. Rollins, Strowman, non, Ziggler qui arrive rapidement pour bloquer le champion universel, mais celui-ci le ramène dans le coin. Explosion dans le coin. Allez. Strowman, là, qui n'en peut plus. Il fait semblant. Il fait pas semblant. Jusqu'à présent, il accusait Rollins de vouloir le trahir, mais je suis sûr, c'est Strowman qui va trahir. Ce soir, il fait la différence tout seul, Strowman. Et AJ Styles qui va enchaîner. Et AJ Styles qui bloque encore Rollins. Rollins qui roule. Attention. Oh non. Il y a du sang. Oh non. Il y a du sang frais. Oh non. Ça va bousculer. Ça va faire mal. Oh, AJ Styles qui passe une très bonne soirée. Oh, ce coup de pied. Vous avez vu la taille de cette porte. La droite sur Calo. Le mec était venu. Il a bien demandé. Il est venu. Il est dans les chevaux. Il est là-bas. Attention, le Rolling Morrison, le Jason, qui s'est posé. Ouais, il a réussi à avoir un petit peu le coup d'œil, comme on dit, la vista. Eric. Ah. Eric qui se débarrasse. On envoie Mercy à l'extérieur. Ziggler qui va en effet avoir une douleur à l'épaule pendant moins 48 heures. Robert qui est en train de se prendre des coups de genou. Ah, il fait la différence. Hein. Coup de la corde à l'âge, esquivé, la retournée acrobatique, il est allé pointer sa bottine directement dans le crâne. Ouais, il a fait le travail. Il va le violer. Quand il barre, débarque. Ah, il barre le panard. J'irai même plus loin, il barre le soulard. Donc, juste en fait, j'ai plus de rythme. Il y a eu changement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les quilles et le bowling. Attention, Styles contre Alexander. Les deux hommes sont les deux seuls survivants de leur équipe. Phénoménal pour Hall. Phénoménal pour Hall. C'est bloqué. Alexander. Alors là c'est un honneur, hein. C'est un peu sympa là.